TP numéro 13, nous allons réaliser la mise en plan d'une pièce pour vous donner les outils pour faire d'autres mises en plan ou d'autres dessins de définition. Donc on va s'intéresser à la bride de circulaire d'entrée. Voilà, donc on va simplement la représenter sur un format A4, donc un petit peu différent de ce plan qui est du format A3. Alors comment procéder? On va démarrer SolidWorks, on va créer une nouvelle vue et on va prendre un format A4. Alors pas horizontal, mais on va prendre un vertical. Ok. Voilà. Donc si la feuille est éditée, on va. Si le cartouche, le fond de plan est édité, on va éditer la feuille pour être sûr de pouvoir ajouter nos vues. Alors, ensuite on va aller chercher la bride d'entrée. Donc pour cela, on va se rendre dans le dossier raccord d'aspiration qu'on a préalablement créé. On va chercher les pièces et on va prendre la bride circulaire d'entrée. Ouvrir. Et on va placer donc la pièce au centre de la feuille. Là, nous sommes sur une échelle 1 cinquième, donc c'est relativement correct. On peut éventuellement s'amuser à faire une deuxième vue si vous pensez que c'est utile. Bon, à voir. Donc si on veut une deuxième vue, on sélectionne la vue et on peut faire une vue projetée par exemple. Donc là, je vais juste avoir l'épaisseur. Et puis, on peut ajouter également ici une vue en perspective. Donc je prends la pièce, ajouter, et je vais prendre une perspective. Voilà. Alors, la perspective, je peux la mettre dans le coin supérieur et je peux prendre une échelle personnalisée un peu plus petite. Un dixième, ce serait suffisant. On va s'intéresser à la cotation, donc on peut récupérer les cotes ou on peut les replacer de manière manuelle. Voilà, donc on va coter les deux diamètres, le diamètre de position des trous. Et on va voir comment mettre les tolérances. Donc on va commencer par la cote de 330 extérieure. Donc on va aller chercher l'outil cotation. Et là, on va mettre une cote de 330. Voilà. Si on veut rajouter des informations, on peut le rajouter ici dans la case texte. Donc là, on va mettre exter. Voilà. Un petit espace, ce serait pas mal. Voici. Alors. Donc si on voit ici qu'on n'a qu'une seule flèche, on veut mettre une deuxième flèche, donc on va se rendre sur cette fonction là et on a les deux flèches. Si on ne veut qu'une seule flèche, voilà, ça c'est une cote de rayon. Si on la veut en diamètre comme ceci, et avec une seule flèche, on l'a comme ceci. Bon, ça c'est une question de choix. On passe à la cote de 256 intérieur 0 plus 1, donc on va voir comment mettre une tolérance. Alors on est parti, 256, on va la mettre en cote radiale, donc même chose si on veut mettre une double flèche ici, on va rajouter à ça une tolérance. Donc on va aller sur valeur. Ici, ça c'est la cote principale. Ça c'est les tolérances. Ça c'est les valeurs de tolérance. Alors ça va être une bilatérale. Et là c'est du 0 plus 1 je crois. 0 plus 1. Donc ici on va mettre 1. Voilà. On continue. Alors après, on pourrait jouer sur la police. On pourrait jouer sur la police du texte, enfin de la tolérance ici. Bon, on continue. Là, on a un diamètre 290 pour le cercle de centre. Donc là, il va falloir qu'on crée un cercle passant par le centre et on va le cocher pour la construction. On va ensuite le coter. Voilà, donc on
peut le coter comme ça ou en côte radiale. On peut le laisser en côte radiale. On recommence. Cotation. Voilà. Laisser cette côte pilotant. Rendre cette côte pilotée, pardon. Ok. On peut la mettre en ligne simplement avec une seule flèche. On va la déplacer un petit peu. Voilà. Ensuite, on a besoin d'indiquer qu'il s'agit de 8 trous diamètre 14. Alors, pour ajouter du texte, on va donc sélectionner le trou. Et on va rajouter le texte comme tout à l'heure ici. 8 trous diamètre 14 également réparti. Ok, valide. Alors si on veut rendre notre texte horizontal, on va aller sur la position du texte. On va choisir donc ligne cassée. Ici, on va avoir texte horizontal, hein, ligne brisée, comme ceci. Et on peut passer à la ligne si on veut. Si on veut quelque chose de plus propre. Donc si on veut changer la taille du texte ici, si on veut mettre un tout petit peu plus petit, donc il suffit d'aller dans autre, on va décocher utiliser la police du document et on va faire police, et là on peut réduire la police, donc soit en l'indiquant par point, soit en unité 4 mm, donc ça c'est la hauteur du texte. Si on passe à 2,5, voilà, on va réduire sensiblement le texte. Voilà. Ensuite, on peut rajouter la tolérance ISO. Tolérance ISO 2068. Alors là, on peut le faire via le texte. CTRL V, on va coller l'élément. Et puis, on peut aussi rajouter insertion. Une table de nomenclature si on le souhaite. Donc on sélectionne la vue et on va ajouter cette table de nomenclature ici. Donc on l'a déjà vu, hein, il suffit de sélectionner la nomenclature, on peut inverser le sens, réécrire les contenus des cellules. Donc là je vais mettre rep, la désignation. Et puis la quantité ou nombre. Voilà. On ajuste tout ça. Alors si on veut décaler la cellule, la colonne, on prend la première case et on la décale. Et puis après on peut ajuster tout ça. Voilà. On peut élargir côté description si on veut plus de place. Et on peut ajouter éventuellement la matière ici. Voilà, donc là on a réalisé une mise en plan d'une pièce basique. Hein. Donc il nous manque l'épaisseur éventuellement. Hein, donc normalement l'épaisseur doit être notée dans les observations. Taux l'épaisseur 4 mm. Et on ajoute le contenu. On enlève la partie. Alors ça va être la police, le type de police qui ne doit pas être tout à fait. On va mettre ça en Arial. Ok. Là c'est quelle police? Century gothique. Donc si on veut être
identique. On sélectionne tout et on change en Century Gothic. Voilà. Bon, j'ai pas tout à fait la même hauteur. Bon, c'est pas très grave. Voilà, donc on a terminé ce petit dessin de définition avec la gestion de la nomenclature.